26 personnes ont perdu la vie ce mardi à Taïwan lors de cet accident de bus. Le car se serait enflammé avant de foncer dans la glissière de sécurité, selon un porte-parole de la police. L'autocar reconduisait à l'aéroport de Taipei, la capitale taïwanaise, des touristes de Chine continentale qui venaient de séjourner sur l'île. Il transportait 24 passagers originaires de la ville chinoise de Dalian, située dans le nord-est. Il n'y a eu aucun survivant. Le chauffeur et un guide touristique taïwanais ont eux aussi perdu la vie. Les raisons de ce drame sont pour l'instant inexpliquées. L'enquête a été confiée au parquet et à la police taïwanaise.